Hello les gens, ici Gavin de Musique 4, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors cette vidéo sera probablement la dernière de la pause entre Easy et Medium sur le Hobby et Island. Du coup ce sera la troisième et la dernière entre, du coup vous aurez de renouveau les vidéos Hobby Island, hein, je vous promets. Et cette vidéo, je devais en parler, c'est une vidéo de tout. Les problèmes Tower Heroes. On va commencer par le premier. Il est facile. Les unités qu'on débloque sont payantes. Excepté une seule, Libé. Qui n'est pas affichée. Mais... Oh non, voilà, j'avais pas vu, mais le prix, on a changé. Lui avait coûté 300, lui c'était 250. Lui il était. Et avant on débloquait. Ah, mais je sais que j'ai fini la map. Il coûtait pas 200, il coûtait super cher, il coûtait gravement cher, il coûtait ce prix, et il coûtait 150, lui il coûtait cher, et lui c'était 300, et Volt, il coûte super cher aussi apparemment. Déjà ça c'est un petit problème, pourquoi les unités qu'on débloque pas, comme avant, ne sont pas gratuites? Et deuxième problème, les petits easter eggs qui nous cachent, qui sont généralement en rapport avec les autres jeux. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? Tous les fils que vous voyez là, ils viennent un petit peu de leur jeu que j'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne. C'est pas, vous devez absolument voir ça. Je vais la mettre en fiche en haut à gauche là. Oui, parce que je suis sur mon compte secondaire. Et un truc encore plus secret, qui sont rajoutés, mise à jour du nouveau lobby, un garage. Alors, il n'y a rien derrière, hein, comme on peut le voir. Enfin, comme on peut glitcher pour le voir. Mais je pense qu'il devrait ajouter un truc. Et surtout aussi, ce qu'on peut regarder, c'est le tryhard. 426 pour les plus gros tryharders. Ils sont à niveau 400. Les plus petits tryharders, niveau 200. Je serai jamais dans ce leaderboard. Leaderboard des wins, il serait probablement pas non plus. Déjà, une personne avait fait une vidéo sur le sujet, c'était Sharky Huggies, enfin Alien Shark. Son contrôle blog c'est Sharky Huggies. Il avait déjà fait une vidéo 10 problèmes de Tower Heroes, qui sera probablement aussi affichée là en haut à, en haut à gauche. Troisième problème. Vous voyez, les gens, ils veulent pas forcément mais ils soient ignorent, soit. Dans le chemin, je sais pas si vous entendrez, mais du coup soit ils ignorent, soit des fois carrément ils insultent les nouveaux joueurs, et ça c'est que depuis la mise à jour Halloween. Et moi je suis arrivé avant, je suis arrivé comme je vous l'avais déjà dit, je crois, ou c'est parce que je vous l'ai dit, à Rooftop Rumble. Let's go join Knoodies Resort. Haha, on est une team de noobs. On est, on a le Slam King. Alors le Slam King, j'ai un peu level-up, du coup j'ai l'Inferno, c'est grâce à mon compte principal. Et sinon j'ai des skins d'Halloween, là j'ai pas joué la mise à jour Noël. N'importe quel noob, ça il devrait changer, que les gens qui ont pas niveau 15 ne devraient pas avoir accès au Hard. Mais pose des unités, t'as que ça à faire. L'unicorn girl cryzal, crayon papier. T'as pas de farm, tu vas rien faire. Ok, non, c'est bon, la pose un scientifique. Avec le skin Tooth Place, je crois que c'est dentifrice. Je sais même pas si je vais laisser ce gameplay. Je pense que oui, sinon même s'il y a tellement de trucs à parler de tous les problèmes de Tower Heroes, mais level up tes scientifiques au lieu de placer tout le monde là. Depuis 2 heures, il n'y avait pas de musique, vous avez dit, c'est désagréable. J'avais envie de faire cette vidéo pour vous dire pourquoi j'ai un peu fait une pause Tower Heroes. Ah oui, un nouveau problème, voilà. Il n'y a rien après le niveau 100. J'ai calculé, il faut le double d'XP pour passer de 30 à 70, il faut que tu farmes le double pour passer de 70 à 100. Alors, autant vous dire que c'est pas dans la veille que je passe à niveau 100, j'ai vu le skip. Oh, j'ai 77 de gold. C'est ce qu'il faut pour poser le jester quand on est sur une map en médium pas trop dur. Ah non, écoute, ah j'avais vu tout de suite, j'ai oublié ça. Espérons que j'ai 29. Tout à l'heure j'avais le chiffre en dessous de cette tête, enfin vous avez compris quel chiffre je parle. Les monades. Ah voilà. Wow. C'est allé tellement vite. C'est pas beau le skin brosse à dents
sur un slime king. D'ailleurs, vous avez vu une vidéo où j'ai battu ce boss en. J'ai même pas assez d'argent. Oh non! Le soleil se couche. Non, du coup, il va y avoir la lune qui coule, mais je vais pas pouvoir le remettre. Parce que c'était mon monteur jeu qui a fait ça. Attention, attention, un kikou a été détecté. Avec le soleil, avec sa boule de sang, on va dire. Voilà, un dernier petit scientifique pour la route. Et surtout parce qu'on peut en placer que 5. Il est niveau 2. Puis surtout qu'après, il va falloir vendre toutes les unités. Et oui, ça continue sur la lancée, hein. Des big stars. Big Star, c'est le soleil. Parce que c'est le soleil aussi. Non, la folle. Non. Et on skip again. Ok. Je note de la médaille. Mais en vrai, c'est very good, là, c'est... Oh. Ok, allez. Je sais pas si elle va avoir... Bah, il y a une étoile là. Tiens, la vague d'avant, on s'est pris deux big aliens. On s'est pris deux étoiles, puis deux big aliens, une étoile. Là, une étoile. D'accord. On voit la difficulté des. Ah non, c'est qu'il y avait un big alien dans l'étoile. Et on n'a pas de wizard. Enfin, de spectre. Mais le spectre, vraiment, il est super cher. Enfin, j'achèterai pas le spectre sur le compte secondaire. Ah, vous coûtez quoi 300? C'était pas assez cher. J'ai pas le souvenir. De toute façon, seul des vrais seront. Merde. Non, c'est trop tard. On va crever comme des merdes. Oh les chiens. Ah, il y a que 60 000 2. Il est tranquille. Ah oui, il avait 60 000 2. Oh, mais je suis con. J'aurais pu suivre le Kingsley. Voilà, nouvelle unité Akir, on va appeler Bipo. Là, tu joues une crate et un légendaire. J'ouvre laquelle? En commentaire, dites quelle crate j'ouvre. D'ailleurs, c'est ça aussi le problème. Ils se focus sur faire des nouveaux wiki challenges et pas sur les mises à jour. Spectre, mais oui, mais ça, c'est abusé que tous les prix ont été changés. Bon, le dump, je suis content. On va pas se cacher que je suis content pour le dump qu'ils l'ont mis moins cher. Ah oui aussi, il y a un autre problème. Ah tiens, bah, hop, plus hein. Ils sont focus à créer des trucs, mais que c'est leurs idées en fait. Ils prennent jamais des idées de la communauté. Enfin, ils apportent pour Volt, apparemment. Mais bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo de problèmes sur Toileroom. De toute façon, il y en a tellement. Mais celui qui me concerne le plus actuellement, c'est vraiment celui qui a rien après le 900. Et puis surtout c'est super dur de payer quoi. Enfin ça ce sera deux problèmes différents mais... Ça c'est deux problèmes différents mais... Voilà, du coup ça saoule. Je pense que là, je vais afficher pendant les quelques secondes qui restent la liste de tous les problèmes que j'ai écrits. Bon, ça vous voyez, ça fait un certain nombre hein. Mais sur ce, je vous laisse. Allez, à plus.